Les effets des intrants chimiques sur la santé humaine. Nous en parlons dans ce numéro d'Hebdo Santé sur Medi1. Merci à tous et bienvenue. Les dangers des produits chimiques sont bien concrets, tant sur la qualité de l'environnement et la biodiversité que sur la santé humaine. Quels sont ces dangers? Des spécialistes avec moi sur ce plateau pour nous aider, vous et moi, à mieux comprendre, docteur Koulibaly Adaman, vous êtes toxicologue, maître assistant et enseignant-chercheur à l'université Pelifioro Koulibaly de Korogo. Merci et bienvenue. Également avec nous sur ce plateau, docteur Jacques Ouattara, vous êtes médecin du travail. Merci d'avoir accepté de participer une fois encore de plus à cette émission, docteur. Merci beaucoup Alors, à vous. le taux de maladies au niveau mondial imputable à l'exposition chimique nocive et leur mauvaise gestion donc représente au moins 4,9 millions de décès par an, dont au moins 1,2 million de décès dus à des produits chimiques industriels et agricoles. Et nous allons justement mettre l'accent sur les produits chimiques agricoles, notamment les pesticides. La toxicité de ces pesticides pour l'homme, mais également pour l'environnement, est aujourd'hui dénoncée par des milliers d'études. Les populations sont-elles conscientes? Écoutons ici quelques avis. Je sais qu'il y a beaucoup de maladies qui sont venues maintenant, qui n'étaient pas avant. Actuellement, les gens ont beaucoup plus de maladies bizarres, bizarres, mais c'est pas c'est dû à cela, hein. À la nutrition, c'est pas c'est dû aux produits chimiques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup plus de maladies maintenant qu'avant. Nous avons des inquiétudes. Parce que de plus en plus qu'on avance dans les années, il y a des espèces au niveau des animaux et au niveau de la végétation aussi qui sont en voie de disparition. Donc, selon moi, mes analyses personnelles, je pense que ce sont ces produits chimiques-là qui sont en train de détruire progressivement tous ces êtres qui nous coûtent cher. Du moment où le produit qui sort de la terre n'est plus un produit naturel, voilà, un produit naturel, donc du coup. L'impact ou, si vous voulez, l'activité négative de ces pesticides-là sur le sol, sur la culture, jouera forcément sur le consommateur, sur la santé du consommateur. Nos parents d'avant vivaient longtemps. Ils n'avaient pas des problèmes de santé comme aujourd'hui. Donc, avec ça, moi, je peux dire qu'il y a des effets négatifs sur nous parce qu'aujourd'hui, on ne vit pas longtemps. Les AVC, un enfant de 13 ans dit qu'il fait AVC, c'est ce que nous mangeons qui produit tout ça. Donc, il faudrait qu'on revoie toutes ces choses-là. Voilà, il faudrait qu'on puisse consommer du bio. Aujourd'hui, la consommation, c'est à base de produits chimiques. Et les parents qui vivent au village, qui ne sont pas en contact, qui ne consomment pas les produits chimiques, sont un peu plus résistants. Alors qu'en ville, il y a plus de maladies. Alors qu'il y a la médecine. En réalité, on devrait dire que la médecine est à notre côté. Ça pouvait nous protéger, mais c'est le contraire. Donc moi, c'est parce que la population de la ville consomme plus de chimie et qu'ils sont exposés plus à la maladie. Comment faire pour éviter cela? Éviter voilà. Quoi? Éviter les produits chimiques qu'on met dans les engrais. Aujourd'hui, je prends un exemple simple comme ça. Il y a même le poulet que nous mangeons. On voit sur les réseaux sociaux, il y a des produits qu'on injecte au poulet pour que le poulet puisse grossir. Comment on fait pour radier tout ça sur le marché? Nos spécialistes sont bien conscients que ces pesticides-là jouent négativement sur la santé de la population. Alors pourquoi autoriser sa commercialisation? Compte tenu de la situation, si tout le monde est conscient de ça, bon, quelles sont les mesures qu'on doit entreprendre pour vraiment réduire la consommation des produits chimiques? Puisque si nous savons que les produits chimiques sont à la base des maladies, alors il faut limiter la consommation. Donc, quelles dispositions prendre? Alors, messieurs, j'ai donné quelques chiffres tout à l'heure, des chiffres évocateurs, et puis nous venons donc d'entendre ces propos. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Bon, il faut déjà. Les chiffres donc sont inquiétants. Mais avec la visualisation donc de l'élément, je suis légèrement satisfait parce que tous ceux qui sont intervenus sont conscients donc des dangers de ces substances-là. Il se pose la question de savoir, oui, justement, est-ce qu'on est obligé d'utiliser les pesticides? Oui, obligé, oui, parce que nous avons besoin donc de produits, et de produits en grande quantité.
prendre en compte les besoins donc, de cette population grandissante là. Mais c'est la mauvaise utilisation qui nous met dans des problèmes, dans ces problèmes-là. La mauvaise utilisation et également, tout ça rentre dans le cadre donc, de la mauvaise utilisation et des produits qui ne sont pas, donc qui sont prohibés, qui sont utilisés, et des produits qui sont utilisés sur des plantes qui ne devraient pas être utilisées sur ces plantes-là, qui doivent être utilisées sur d'autres plantes. Donc voilà un peu les activités ou bien donc le travail donc, qui nous met donc, dans ces situations. Tout à fait. Alors, docteur Jacques Ouattara, vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, on mange trop chimique? Bon, alors, avant d'aborder ce point, je dirais la population réellement qui est touchée aujourd'hui. Vous voyez, le paysan qui est lointain, même la population qui est lointaine, j'allais dire que ne comprend pas, en fait, le danger qui est là présent devant eux. Ils ne comprennent pas. Alors, vous parlez de danger, c'est quel danger? Par rapport à l'utilisation de ces produits, ils ne savent pas. Pour lui, bon, les gens racontent des histoires. Lui, il cherche plutôt à manger. Il s'en fout de ce qui se passe à la limite. Donc, c'est une préoccupation. Alors, ceux qui sont passés, bon, j'allais dire à la limite, le dernier paysan qui ne comprend pas du tout français, est-ce qu'il a parlé, est-ce qu'il a compris exactement quel est le problème? Alors, quand je regarde, j'écoute ça, je me dis qu'il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Alors, avant de certainement penser qu'est-ce qu'il faut faire, on va permettre, comme Dr Jacques Ouattara vient donc de le dire, qu'est-ce que c'est qu'un pesticide? Un pesticide, déjà, quand on dit pesticide, c'est un nom qui est utilisé, qui désigne donc toute substance ou donc un ensemble de substances qui sont utilisées donc pour lutter contre les pestes. Donc pesticide veut dire tuer les pestes. Tuer les pestes. Tuer les pestes. Les pestes voilà. Qui s'attaquent donc. Oui, qui s'attaquent aux aliments. Aux aliments. Aux plantes. D'accord. Voilà. Au cours de leur donc, production, au cours donc, de leur conservation ou de leur stockage. Alors, Dr Jacques Ouattara l'a dit, le paysan, lui, ne sait rien. Lui, il veut produire en quantité, il veut avoir beaucoup d'argent. Est-ce que ces pesticides peuvent être dangereux? Oui, ces pesticides sont très dangereux déjà, puisqu'ils sont utilisés même pour leur toxicité contre les insectes. Contre donc, les fongicides et contre les moisissures. Donc cela veut dire qu'on sait que ces pesticides sont toxiques. Déjà, on le sait. Maintenant, le problème qui se pose, est-ce que cette toxicité donc, peut se retrouver donc, au niveau de l'homme aussi? C'est là que se situe donc, le hic en fait, que certains dénient. Alors que les études donc, ont prouvé que ces pesticides également sont toxiques pour l'homme. Pour l'homme, on le sait. On va voir donc quel est le mécanisme, comment est-ce que ces produits se retrouvent dans les aliments que nous consommons et ce qui affecte donc notre santé. Mais vous, peut-être au niveau de la santé et la sécurité au travail, est-ce que vous vous préoccupez, vous l'avez dit tout à l'heure, le paysan, le citoyen, lui, il travaille, il ne mesure pas le danger que représentent donc ces produits. Est-ce que vous, vous les prenez en compte dans le cadre de la sécurité et la santé au travail? Alors, avant de répondre à la question encore, je reviendrai pour dire que moi, le terme pesticide ne me plaît pas trop parce que ça décrit une situation et puis bon, mais j'allais dire ça fait peur. Alors, on va parler plutôt pour moi de produits agropharmaceutiques. Agropharmaceutiques. Voilà. Et ça rentre dans le cadre de ce que Dr Ploubali a dit tout à l'heure là. Quand on dit agropharmaceutique, déjà, il y a la chimie. Alors, en santé et sécurité au travail, lorsqu'on parle de ça, pour le moment, malheureusement, c'est formalisé au niveau des entreprises. Donc, en agro-industrie, c'est formalisé. Et les travailleurs qui y travaillent, c'est-à-dire que ce soit des techniciens de l'agriculture ou bien même des travailleurs agricoles, ils sont bien suivis par rapport à leur application. On sait ce qu'il y a et les produits qui sont commandés par les entreprises ont ce qu'on appelle une fiche de données de sécurité. Hein, avec des étiquettes bien précises. Donc, à ce niveau, au niveau des entreprises. Mais malheureusement, il y a à côté ces populations qui sont autour des entreprises, j'allais dire à la limite, qui viennent, qui reprennent les rebuts et puis bon, qui vont les utiliser d'une certaine manière. Les résidus. Alors, les résidus. D'accord. Alors, donc, dans le processus, on va en parler certainement, dans le processus, il y a un procédé dans les entreprises qui récupère donc ces résidus de ces produits-là. Bon, j'ai dit malheureusement, les populations environnantes viennent recueillir une partie de ces résidus à l'insu bien sûr, de l'employeur ou des industries qui sont installées. Donc, en santé et sécurité au travail, ils sont bien pris en compte au niveau des entreprises, malheureusement, entreprises seulement.
D'accord. Alors, à partir de quel moment, je vais dire, l'homme ou l'aliment est contaminé par ces, je vais être dangereux pour la consommation, docteur Koulibaly? L'aliment donc est contaminé déjà s'il y a présence. Parce que déjà la présence de certaines substances peut causer problème. Et d'autres substances donc sont régies par des normes. Par des normes, des LMR qui existent, qu'il ne faut pas dépasser. Et dès que ces LMR sont dépassés, le risque pour que le consommateur donc fasse une maladie est beaucoup plus importante. Voilà. Donc si ces LMR sont respectés... LMR, nous on ne comprend pas trop. Donc LMR, les LMR, ce sont les limites maximales des résidus. C'est-à-dire lorsque vous utilisez donc une substance chimique, à la fin de l'utilisation, du délai donc d'attente, on doit retrouver donc encore des traces de ces substances-là. Et ces traces-là, cette concentration ne doit pas dépasser une certaine limite. Lorsque cette limite n'est pas dépassée, le consommateur est à l'abri des effets de ces substances. C'est quand cette limite est dépassée que nous devons nous attendre à des effets de cette substance-là, au niveau du consommateur. Donc ce sont ces limites-là qu'on appelle les LMR. Les LMR. Pour les pesticides. D'accord. Alors, je vais dire, lorsque ces aliments, donc, lorsqu'on dépasse cette dose-là, et que ces aliments se retrouvent sur le marché, qu'on les consomme, ça devient dangereux pour le consommateur. C'est ça. Très dangereux pour le consommateur. D'accord. Alors, docteur Jacques Ouattara, là, la santé et des cultivateurs, des paysans, et des consommateurs mis en cause. Alors, je dirais à la suite du docteur Koulibaly, chez nous, nous allons parler de valeur limite d'exposition. Quelle est la valeur limite? Il y a une valeur limite pour chaque substance. C'est pour cela, il a dit, il a souligné, ces produits sont gérés par des normes et par des organisations. Et ces produits, c'est là-bas qu'on doit aller les acheter, malheureusement. On se retrouve avec des produits qui sont achetés, on ne sait pas où. Et c'est ça le grand danger, en fait, pour les paysans. Alors, donc, dans ce sens, je pense très bien, on va en parler pour les différentes solutions, je pense qu'à ce niveau-là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Mais j'ai dit que, devant une situation sociale difficile, devant le manque de moyens, mais la population va aller s'adresser, j'allais dire, à la limite, à n'importe qui, à n'importe quoi. Alors, c'est ça qui est le grand danger, en fait. D'accord. Niveau d'exposition, le paysan, le producteur, il est exposé. C'est ça. Les consommateurs qui viennent donc consommer les produits qui ont subi donc les effets des pesticides sont exposés. Et quels sont ces effets de ces produits-là? C'est quelle maladie qu'on observe? Il y a plusieurs maladies donc, qui sont liées donc, à ces pesticides. Hein, parce que chaque pesticide a son mode d'action. Et généralement, donc... Les pesticides peuvent avoir donc des effets sur le système endocrinien. Le système endocrinien qui est donc le système hormonal qui régit tout ce qui est donc formation dans l'organisme et qui est formation aussi donc du fœtus. Donc ce qui veut dire que si ce système est atteint, on peut assister donc à des malformations. Des malformations, on peut avoir des naissances donc de bébés qui n'ont pas de bras ou des bébés qui n'ont pas donc de jambes. Qui naissent sans jambes. C'est ça la malformation. Et la malformation ne peut pas s'arrêter jusque-là. Il y en a plusieurs types, en fait. Du fait, donc, de ces pesticides, de ces produits agro-pharmaceutiques. D'accord. Qui ont donc un effet sur le système endocrinien, comme je l'ai dit. Également, qui peut avoir des effets également sur le système nerveux, qui vont entamer donc, le mental donc, de l'individu qui a été exposé. Et également, la maladie de Parkinson et de Alzheimer également, certains donc lient ces maladies-là donc aux effets aussi donc de certains pesticides. Et nous avons également aussi donc des cancers qui ont été liés également donc aux effets des pesticides. On a notamment le cancer donc de la prostate également qui peut être lié aux effets donc des pesticides, au cancer donc du sein que nous rencontrons maintenant avec cette fréquence qui est maintenant élevée. Et également, donc, le cancer des testicules également peut être lié aux effets des pesticides. D'accord. Vous voyez un peu qu'il y a plusieurs donc, effets qui peuvent être énoncés. D'accord. Selon donc, le mode d'action de ces pesticides-là. D'accord. Alors, docteur, c'est quand même assez grave. Hein? Mm-hmm. C'est quand même assez grave comme effet. Mm-hmm. Quelle est la gravité lorsque ces maladies-là sont consécutives à ces produits agro-pharmaceutiques? Bon, alors, déjà, docteur Koulibaly, je reviens encore pour vous dire,
Docteur Koulibaly a souligné un certain nombre de choses. OK? Alors, c'est ce qu'il a souligné, c'est très important. Alors, ces produits, j'ai dit que je n'aime pas tellement le terme de pesticides agro-pharmaceutiques. Alors, vous voyez, les produits agro-pharmaceutiques, il a souligné, il y a ceux qui tuent les herbes, herbicides, ceux qui tuent les vers, et puis d'autres points d'impact. Alors, comment est-ce que ça pénètre dans l'organisme? Vous avez l'appareil respiratoire, vous avez la bouche, c'est-à-dire que l'appareil digestif, vous avez la peau, vous avez également les yeux. Alors, à force de contact, bien sûr, il y a une certaine dose qui va rentrer pour aller déranger, comme il a dit, le système endocrinien. Alors, il a parlé de cancer, c'est réel. Même j'allais dire cancer du foie, là où le sang passe. Mais déjà, il y a un avertissement lorsque, à partir de l'application, donc l'utilisation de ces produits agro-pharmaceutiques, on a des problèmes au niveau des yeux, on a des problèmes au niveau de la peau, on a des problèmes au niveau de la bouche, on a des problèmes au niveau de l'appareil digestif. Déjà, c'est un appel. C'est-à-dire qu'il y a un problème et qu'il faut faire quelque chose. Alors, donc, ça va entraîner, j'allais dire, au bout du compte, il a dit, un cancer. L'évolution est lente, bien sûr. Aujourd'hui, il a parlé de cancer du sein. OK? J'ouvre une parenthèse pour dire qu'aujourd'hui, on est en train d'apprendre aux femmes comment palper le sein pour déjà, dès le départ, voir s'il n'y a pas un cancer débutant. Je ne vais pas parler de mammographie où on va faire ça, c'est trop cher. Mais déjà, si beaucoup de femmes arrivent à maîtriser la technique de palpation des seins, en ce qui concerne le cancer des seins, bon, je ferme la parenthèse pour dire qu'on va régler un certain nombre de problèmes. Alors, j'ai dit encore, la population, j'allais dire lointaine, paysanne, n'est pas informée ou plutôt n'a pas pris conscience de tous ces dangers. Alors, mais moi, je voudrais vous interpeller à ce niveau pour dire que, au niveau de la sécurité et la santé au travail, vous avez parlé donc de la peau, de la bouche. Est-ce que vous travaillez à ce que ces paysans aient des combinaisons, aient des masques pour se protéger de ces produits? Alors, déjà, parce que comme Dr Koulibaly l'a dit, il faut utiliser les pesticides, justement pour booster la production. Alors, et c'est la mauvaise utilisation qui est dangereuse. Mais est-ce que ces paysans se protègent? Alors, il y a justement ce problème de moyens de production et de protection. Alors, ces moyens de protection, aujourd'hui, j'allais dire au niveau de toutes les structures qui encadrent les paysans, et les techniciens sont informés et les applicateurs, comme on les appelle, sont également informés. Ils connaissent la technique donc d'application. Ils savent que lorsqu'il y a du vent, où est-ce qu'il faut se mettre, dans quelle position, ils le savent. Mais j'ai dit que malheureusement, la grande partie de la population qui est lointaine, dans les villages, n'est pas informée de ça. Mais est-ce qu'ils ont les moyens de protection? Alors, ces informations, il faut les faire passer. J'ai dit dans les entreprises qui sont formalisées, bien sûr, les informations passent. Quand je parle de l'agro-industrie, les informations passent. Il faut que maintenant, au niveau donc de la médecine du travail, santé et sécurité au travail, nous, on aille jusque dans ces organismes, qu'on travaille avec ces structures et qu'on aille, j'allais dire, jusqu'au dernier paysan pour donner l'information et les former dans ce sens-là. D'accord. Alors, je pense que la médecine du travail a encore du chemin à faire. Donc, vous avez évoqué des maladies tout à l'heure. Docteur Jacques Ouattara en a ajouté. C'est tout comme maladie ou il y en a de plus graves? Est-ce que ces pesticides-là ou ces produits agro-pharmaceutiques peuvent tuer? Oui, Oui, parce qu'on a vu la consommation, on a vu également des paysans qui utilisent même les récipients de ces produits-là, après pour la consommation, je veux dire, à domicile, dans les ménages. Ça peut constituer un danger. Oui, c'est ce que Dr Ouattara a dit. Ça dit, c'est la mauvaise information, en fait. Ils savent que ces produits, pour eux, ces produits ne peuvent tuer que les insectes, ne peuvent tuer que les moisissures. Donc, ils ne sont pas conscients du fait que ces produits peuvent aussi entamer leur santé. C'est pour cela qu'ils réutilisent donc ces récipients. Ces récipients, oui. Et il se dit également qu'en lavant, ils vont éliminer entièrement donc ces pesticides-là. Alors que des petites doses de ces pesticides, sur le long terme, finissent donc par
entamer leur santé. C'est ce qu'on va appeler l'exposition chronique, en fait, à ces substances. D'accord. Alors, on va revenir encore sur les différentes maladies que vous avez parlé. Vous avez parlé donc du système endocrinien. Là, au niveau du système endocrinien, quelles sont les maladies qu'on a? C'est des malformations. C'est des malformations. Des malformations, oui. Oui, et puis effectivement, vous avez parlé du cancer du sein. Docteur Jacques Ouattara a ajouté le cancer du foie. Cancer du foie. Vous avez parlé du cancer des testicules. Des testicules. De la prostate. De la prostate également. Qui peut être observé. Et la peau. De la peau également. Exposée. Oui. Voilà. Quels sont les dangers au niveau de la peau? Ce sont des nécroses. Vous allez voir que la peau. Ça va commencer déjà parce qu'on peut assister donc à une toxicité aiguë. Donc, on va observer des édèmes ou donc des boutons déjà qui vont apparaître sur la peau. Maintenant, si on va plus loin, en termes donc de toxicité chronique, on va assister donc à des nécroses de la peau. Vous allez voir que les cellules de la peau vont devenir très noires, c'est-à-dire mourir. Voilà, donc on peut assister donc à ces cancers qui peuvent donc évoluer jusqu'au cancer également donc de la peau de l'individu qui est exposé. C'est quand même assez grave. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va envisager maintenant les solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger nos paysans, pour protéger les consommateurs que nous sommes? Bon, alors, il faut dire, c'est dans la prévention. Hein. D'abord, partir dans la prévention. Il faut vulgariser, donc, toutes ces méthodes de prévention. Vulgariser, il y a les, comme je l'ai dit tantôt, il y a des structures en place qui le font déjà. Mais il faut identifier, j'allais dire, des personnes ressources ou des personnes intermédiaires qui vont aller vulgariser ça jusqu'au dernier paysan. Alors, ça, il faut passer l'information, il faut donner l'information. Il n'y a pas que ça. Il y a la médecine du travail qui doit intervenir en agro-industrie, pas uniquement au niveau des structures formalisées, je vais parler des entreprises, il faut qu'on puisse élargir. Donc, que ces entreprises agricoles ou bien ces structures agricoles comprennent qu'il faut intégrer la médecine du travail dans leurs actions pour pouvoir maîtriser un certain nombre de choses. Donc, information, vulgarisation, sensibilisation. D'accord. Et puis maintenant, le deuxième volet donc de la prévention, docteur Koubali l'a dit, c'est la protection individuelle. OK? Mmh. Mais après ça, il faut aller contrôler les aliments qui parviennent, comme il a dit. Il y a des résidus qui sont là. Comment est-ce que ça se passe? Il faut pouvoir contrôler cela. Alors qu'à ce niveau, à ma connaissance, on pêche un peu dans ce sens. Parce qu'à la limite, en griffe, je dirais, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'en 1987-88, il y avait donc quelque part à Agamé, la poudre de tomate. Alors cette poudre de tomate, comment est-ce qu'elle est constituée? Je ne pourrais vous le dire. Mais il y a des gousses, une fleur, qui, en son temps, ou quand on utilisait encore l'écriture avec l'encre, et c'est cette gousse-là qu'on utilisait pour encre rouge. Et cette gousse-là est broyée et mélangée à cette poudre-là pour vendre comme poudre de tomate. Supposée poudre de tomate. Alors, je dis ça pour dire, vous voyez jusqu'où les gens s'en vont, à la limite. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qu'on nous présente comme aliment, est-ce que c'est sain ou pas? Point d'interrogation. Alors, c'est un problème. Donc, il y a un contrôle à faire. Docteur Koulibaly Adaman, vous êtes toxicologue au niveau donc enseignant-chercheur. Qu'est-ce que vous proposez pour effectivement limiter les effets de ces produits chimiques-là? En plus de ce que le docteur vient de dire, la prévention, et nous, dans notre domaine, normalement, il faut faire donc l'analyse donc des produits déjà qui sont mis sur le marché et voir donc si ces produits là sont conformes donc aux normes, c'est-à-dire les LMR dont nous avons parlé, les limites maximales de résidus qu'il faut retrouver donc dans les aliments, que ce contrôle soit systématique en fait, comme c'est fait pour les produits d'exploitation. C'est-à-dire les produits d'exploitation ne peuvent pas sortir de notre pays sans que ces analyses ne se fassent donc sur ces produits. Pourquoi ne pas le faire sur les produits donc qui sont vendus à l'intérieur? D'accord. C'est ça, si cela est fait, on pourra donc éliminer les produits qui ne respecteraient pas donc cette norme-là. Voilà. Et donc, on réduirait le risque donc, que le consommateur donc, pourrait rencontrer en consommant donc, ces produits. D'accord. Pour aller dans le même sens aussi que le docteur, il a parlé donc de poudre de tomate. C'est généralement le roucou qu'on broie qui est un colorant. Et tout ce qui est colorant également, ce sont de grosses molécules qui peuvent entamer les reins.
les reins. Donc, il y a aussi donc des normes qui régissent donc c'est les proportions donc de ces colorants dans les aliments. Mais si vous faites de ces colorants l'aliment principal, vous voyez que ça pose problème également. Mais ici aussi, même si on va dans le cas des pesticides, les roucous ont besoin de pesticides pour pousser. Pour pousser, voilà. Donc, on retient en fait que les pesticides ne sont pas aussi dangereux. C'est leur mauvaise utilisation qui met donc en danger la santé donc des populations, la santé également donc des agriculteurs, des paysans qui produisent toutes les denrées qu'on consomme donc qu'on retrouve sur nos marchés, et nous sommes tous des consommateurs et nous sommes tous donc exposés. Vivement donc que quelque chose soit fait. On compte sur vous donc au niveau de la santé, de la sécurité au travail, pour la sensibilisation donc je veux dire de toutes les couches qui doivent intervenir également au niveau de vous les chercheurs, les toxicologues, que quelque chose doit soit fait au niveau des organisations. En tout cas, merci à vous, docteur Jacques Ouattara. Je rappelle que vous êtes médecin du travail. Également, merci à vous, docteur Koulibaly Adaman. Vous êtes toxicologue, maître assistant et enseignant-chercheur à l'université Pélé-Fokhogan de Koulibaly. C'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci à vous d'être venu. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé sur Média. À la semaine prochaine.